Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Octopath Travelers 2. Nous allons d'abord faire plusieurs choses. La première, alors Flame Church, Flamme de Clergé, c'est ici. Voilà, on va faire ça. Une première chose, je veux avoir tous les éléments de mon côté pour soigner la pétrifaction. Donc pour ce faire, on doit aller à l'église. Alors attendez, il faut juste que je me remette là. Au nord de Borderfall. C'est quoi Borderfall? Alors. L'intérieur de l'église, est-ce que c'est la cathédrale? Non, c'est l'église, c'est pas la cathédrale. Donc ça va être ici. Hop. Est-ce que c'est lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un là? T'as rien toi. Aptitude flash, on s'en fout. Il y a une aptitude pour altruisme, on s'en fout. On s'en fout. Une bougie offerte par les prêtres fidèles de l'église, mais vas-y. Haha, c'est volé. C'est forcément pendant le jour, évidemment. Un vieillard. Non. Ça doit être à l'église alors. Je ne peux pas m'y téléporter. Bon, bah tant pis. Church, c'est cathédrale ou c'est église? Ouais, ça je sais pas, en vrai. Hein. Ça doit être la cathédrale, hein. J'aurais dit l'église, mais... Je peux pas y aller en me téléportant à l'église, sérieux? Ça me paraît fou. Ta-da-da-da-da-da. Hop. Ça nous permettra d'avoir une compétence pour Ikari. En même temps, est-ce que j'ai envie d'avoir une compétence pour Ikari qui m'enlève ça? Parce que j'enlève quoi? Augmente la défense physique de tous les alliés pendant un tour et leur permet d'essayer une attaque physique. Sens des affaires, elle est bien celle-là. Augmente la défense physique de tous les alliés pendant un tour et leur permet d'esquiver une attaque physique. Après, est-ce que Ikari paye 25 pour faire ça? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'Ikari paye 25 pour. C'est pas lui, hein. Lui, il fait des dégâts, lui. Vous voyez. Lui, il fait des dégâts, c'est pas lui qui s'occupe de ça. T'es qui, toi? T'as déjà vu Hort. L'âme du cœur sacré. Toi, ça c'est cadeau. Sait-on jamais. Parfait. Combien ça donnait? Plus 600 de PV, défense max, élémentaire. Ok, en vrai, pas mal. Tu veux quoi, toi? Ah, vous êtes là. Mais il est pas mort, Hort? Vous savez, après la mort de Kaldina, j'ai commencé à mener ma propre enquête. Ah ben non, il a réussi à survivre, du coup. Bien joué. Vous vous souvenez de cette série d'incidents qui a commencé par l'assassinat du pontife? Bah évidemment. Eh bien, j'ai comme l'impression qu'il s'y cache encore quelque chose de pas net. Je me sens rempli de honte ces derniers temps, et depuis le jour où l'on m'a trahi, j'ai juré de ne plus jamais accorder ma confiance aveuglément. D'accord. Puis, j'ai mis la main sur un indice. L'homme qui est à l'origine de ces crimes, que l'on nomme Vados l'architecte, oui, possédait écrit un registre qu'il tenait précieusement caché. Ce que j'ai découvert est incroyable. Vados avait un complice. Ah bon? Qui cela peut-il bien être? Si je parviens à le découvrir, je ne serai qu'à un pas de la vérité. J'ai donc décidé d'enquêter dans la ville où tout a commencé. Est-ce que vous voulez bien me donner un coup de main? Bien sûr. Merci beaucoup. Vous me serez certainement d'une grande aide. Nous ne devons pas attirer l'attention. Donnons-nous rendez-vous dans le passage souterrain. C'était Menos qui est content. Vous avez commencé le récit annexe. Hort, je valide la suite. Ou un truc dans le genre. Alors. L'intérieur de l'église. C'est une cathédrale. Balestec. Alors. Est-ce que c'est par là?
Après, il y a trop de temps pour ça. Hein. Purification de la flamme sacrée. Oui, c'est ça. En garde. Si c'est pour un simple affrontement, je suis votre homme. Enfin, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression que c'est ça. Voilà, là, 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 là. Allez. Facile. Easy peasy. Alors, ça se trouve, c'est pas ça. Hein. Il va falloir faire mieux. Régénère les PV du personnage après, après une action pendant 3 tours. Ben non, c'est pas ça. C'est toi, peut-être. Torgnole. Non, c'est pas toi. Bon, il y a un truc qui va pas. Je fais une pause, je reviens. Voilà, parce que là, c'est honteux. Mais il est pas du tout là! Il est pas du tout là! Celle de l'érudit. Mais c'est pas du tout là. Elle est où, ce con? On n'est pas du tout ici. Pourquoi ils m'ont dit à l'aise de Flame Church, c'est complètement con. Mais oui, mais c'est pas là. C'est à l'hôtel. C'est là où il y a le... Hôtel du porte-flamme. Voilà, c'est ici. Il est là. C'est par là? Est-ce que c'est par là? Je sais pas. Je reviens. Ok, si c'est bien ça, c'est ici qu'il faut que j'aille. Voilà. Tout faux. Tout faux, le Nintendo. Bien vu. Bien joué. En plus, je sais même pas si ça vaut vraiment le coup que Kari se trimballe ça, mais... Je pense que si, quand même. Ça nous évite d'avoir des emmerdes. Donc, c'est la compétence. Ça permettrait à Ikari d'avoir une compétence qui nous soigne. Ensuite, on va aller acheter un objet qui nous permet de faire ça. Et ensuite, on va aller chercher un item qui nous permet de nous en protéger. Comme ça, je le mets sur Ikari et on est bon. Faut que j'aille à gauche. Hein. Ouais. Vous voyez, parce que si Ikari, il se fait... Il s'est pétrifié, il peut plus, il peut pas se dépétrifier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est important. Il va falloir qu'on ait le truc qui lui permet de... Qui nous permet d'enlever la pétrification directe sur Ikari. Item. Et ensuite... Un petit item... Qui nous permettra... De soigner tout le monde. Alors, hop, voilà... Voilà, c'est cette cathédrale là. Cette église ici. Cet endroit quoi. Allez, ça dégage ça. J'ai pris l'ennemi par surprise. C'est pas Ikari. Hop. Bénédiction des pétrifiantes. Et ben voilà. C'est toi. En garde. Dis-moi que tu crains l'épée par contre. Non. Flûte. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû dès le départ faire ça. Comme ça je sais tes faiblesses. Seulement la hache. Hache et arc. Ouais, c'est pas fou. Hein. Alors. H. Effectivement céleste. Ah oui quand même. Now it begins. Faire insoumission. Ah, pas content. Châtiment céleste. Mais tu soignes pas. Time to strike. Sont eux 1000. Allez, lame de Brand. Ça dégage. Good.
Faut pas l'embêter, Ikari non plus. Il va falloir faire mieux. Soigne une alliée de la pétrifaction et régénère une partie de ses PV. Oui. On va virer sens des affaires. Ça, c'est une bonne chose. Deuxième chose. Nous allons aller au marché noir de Neodelsta. Est-ce que au marché noir, il y a un vendeur qui nous vend une herbe? C'est si je n'avais pas... Attendez, on va se sauvegarder quand même. Si je n'avais pas internet, je vous avoue que c'est là où je serais allé en premier. Au marché noir. Me disant que vu que c'est un statut qui, la première fois que je le vois, qui m'a pas l'air d'être... Vous voyez que c'est que des effets spécifiques. Non, mais on se barre en fait. Qu'est-ce que je fais là? Qui c'est des effets spécifiques. La pétrifaction, ça court pas tous les coins de rue. Je me disais qu'effectivement, ce serait plus cohérent que au marché noir. Enfin, vous voyez, ça, c'est un endroit unique de vente, marché noir. Donc, ça me paraît cohérent, effectivement, que ce soit au marché noir. Maintenant, voilà. Je suis rassuré de savoir que finalement, c'est le cas également. Donc, en fait, c'est plutôt bien pensé. C'est plutôt bien pensé que même sans internet, on peut avoir une solution au problème. Mais j'ai préféré quand même aller voir pour éviter toute emmerde. Alors, acheter. Non, c'est pas ça. C'est pas là. Il faut qu'il y ait trois marchands, on m'a dit. Et toujours, c'est les deux mêmes. Ça va être passionnant, hein. Seul marchand, c'est pas bon, on va quand même voir, mais... Ah oui, mais c'est des trucs noirs. Ça augmente, mais ça nous baisse. Ah, voilà, là. Mais c'est pas ça, ça doit être lui, peut-être. Arc marin, c'est fléau, machin, on s'en fout. Toi? Non. Ah bah si, c'est ça. J'en ai trois en stock. Guérit la pétrification d'un allié. C'est une blague. J'en avais en stock. Mais c'est une blague. Mais comment ça se fait que j'ai pas vu? J'ai pas vu. J'en prends quoi? 15? Allez. Mais... C'est en tout un peu. Bon, j'en avais trois en stock apparemment. Tant pis, de toute façon, ça aurait pas été suffisant 3. Hein. On retourne au village sans nom parce qu'effectivement, la troisième et dernière façon d'aller, de trouver un moyen de s'en préoccuper, c'est ici. Ici même. Alors, à l'est du village. L'est du village, a priori, on n'y est pas. Hop, ça c'est bon. On dort histoire d'être régénéré. On sauvegarde. À l'est du village. Hop. Il y a un monsieur qu'on va taper. Alors, soit on le duède. Aide ennemi. Là, je te prends ça, hein. Attaque physique, précision, peut diminuer la défense physique de la cible. Bah vas-y. Voilà. Et c'est à moi maintenant. Est-ce que je peux lui fracasser le crâne? Vas-y. Fais de beaux rêves. Paf. Voilà, il y a un coffre. Salut toi. Moi, pas sortir, loi du village. Bah. Soudoyer cette personne. Ça suffira?
Jeune bestia choisi pour être le prochain successeur, selon une tradition vieille de centaines d'années, le successeur doit subir de nombreuses restrictions dans sa vie quotidienne afin de pouvoir devenir un bon réceptacle. Ces interdictions s'appliquent jusqu'à ce que le prochain successeur soit choisi, mais personne ne sait quand cela arrivera. Pauvre bestia. On va te voler le pot de position que tu as. Effet protège de la pétrification. Ah ben voilà, c'est ça qu'il me faut. Je crois que c'était dans le coffre, mais non. Arc interdit. Ben voilà. Alors, équipement. Ikari. Augmente les dégâts infligés par les coups critiques. On va te. Ah, mais c'est grave. Bon, bracelet, je suis obligé de te mettre ça. Donc, on va enlever. Protège la pétrification. Voilà. Et du coup, c'est triste, hein, mais. Que veux-tu? On va t'augmenter TPT du coup. Non, c'est pas grave, on va faire juste ça. Voilà. Ça c'est bon, on a les herbes, tout est bon. On peut se barrer d'ici. Voilà. Il y a un objet ici. Talismante, très bien. Hop, on sauvegarde. Et on retourne se faire le boss. Et là, on est un peu mieux préparé. Contre cet individu. Alors, par là-bas. I'll do what I must. Here I come. Pas c'est suffisant. Non. Ready? Mais presque. Hein. Absorption massive de sang. Honteux. Meurs. Meurs, j'ai dit. Je peux pas. Now it begins. Te prendre la hache, toi. Dans la gueule. Ready? Voilà. Voilà. Enfin, la hache. Toi la dague. Foire la dague. Maintenant des PC. On a vachement pas besoin. Voilà. Hop. Ça, c'est très bon. Et on va aller se venger contre le B machin là. On n'a pas son nom. On n'a pas son nom. Le guide, il l'appelle le Behemoth, mais. Ou un truc du genre. C'est fait quelque chose, le guide. Le truc, c'est qu'on n'a pas son nom. Comment je peux savoir son nom? En in-game. Il faudra avoir Hochette. Il n'a rien d'intéressant, toi. Ah, c'est la dague. Paf. My turn. Allow me. Hop. What? C'est plus de voleur. Paf. Tatin. Ah, j'aurais dû faire un coup de lumière là, je suis bête. J'aurais pu. My turn. There. Tant pis. Expertly done, Throne. Allez, mourir. Who's next? Non, même pas. Même pas mort. Think. Mais meurs. And done. Ah, quand même. Study harder. Astronaute qui gagne en niveau. Ok, on a les ruines submergées à retraverser. Hop. Si je ne m'abuse, c'est par en haut.
8. Pas déjà affronté le jeu ? Ah bah non, vu qu'on est mort. Ça considérait qu'on les avait pas affrontés. Il semble que vous craignez la daille. Hein. Je peux pas dire de conneries, mais. Ouais. Now it begins. Who's next? Here I come. Voilà. My journey will not end. Ça, c'est très bien. Par là, on descend et on y arrive, ou presque. Ce qui est une bonne chose. Hein. Alors toi, tu as de quoi la dague, aptitude de voleur, paf, vol de PV, paf, paf. Craignez quoi l'autre aussi? Défense affaiblie, je sais plus du tout. Augmentation offensive. Now it begins. Alors, aptitude apprise, on va faire un tranchage triple. Paf, paf, paf. Et toi, est-ce que tu crains la hache? Non. Qu'est-ce que tu crains, toi? La foudre. Let me look at you. Ah, la dague aussi, ok. Where did I go wrong? Ah d'accord. C'est fait éclater. À petit à petit, on va le ressusciter. Hein. Death can't have me yet. Voilà. Voli, voli. Toi. Tu vas te prendre dague, dague, dague. My turn. Et Ikari. Toi. Ça, tu meurs. Toi, tu reprends dague. Toi, tu prends dag dag. Ikari va faire un coup de bâton. Délivrance et rends-moi des pétés. S'il te plaît. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est même très bien. Hop. Parce que commencer un combat avec pas de pétés. C'est pas bon. On va réavoir un combat là. Juste avant le boss, ouais. Dame. Damnation. Mais merde, Oswald il est mort. Du coup, il a perdu son truc. Aïe. Alors que ça fait pas mal de dégâts, sa réserve d'énergie. Ah, c'est chiant ça. Très chiant. Oh ouais, prends cher Oswald. Hein. Prends très cher. Aptitude. Vol de PV. Hop. Un tranchage triple sur lui. Nota salvare. Voilà, survie. Survie Oswald. My turn. Hop, ensuite aptitude de voleur. Vol de PV. You're too kind. Sur lui. Paf. Well now. On va arc rater Oswald. Back on my feet. Qui a quasiment récupéré sa. Non, elle, il a récupéré sa charge, ok. On va faire tranchage trip. Non, on va garder notre PE. Est-ce que je veux refaire la délivrance? C'est un bâton de fin? Oui, t'es pas mort. Tu l'as boutiqué, on va se soigner. Hop. Froné devrait pouvoir. Il va pouvoir l'éclater. Hein. Voilà. Quelques pétés en moins, c'est dommage. Toi, un coup de bâton.
et toi délivrance. Hop. Staff of the Spirit Lord. Ça, on se recharge nos PT. For the pride of Ku. Très bien. Ça sert à rien. Puisqu'on gagne un niveau. Génial. Oui, bah c'est toi, on y va. On est prêt cette fois. On a de l'anti-pétrifaction. Ok, Oswald qui prend cher direct. Insoumission. On a Casti qui tape. Apothicaire. Guérit toutes les altérations d'état d'un allié et le rend insensible. Ça ne peut pas fonctionner, ça, on est d'accord. Toutes les altérations d'état. On est d'accord que ça ne marche pas. Bah, d'accord, on est d'accord. On est bien d'accord, on n'a pas fait tout ça pour rien. Ça m'est même pas venu à l'esprit que ça pouvait être ça la solution tout à l'heure. Mais non. Aptitude apprise, bénédiction déperdifiante. Allez. Dépétrifiante, pardon. Hop. Aptitude érudite. J'aimerais l'analyser en vrai plus encore. Savoir c'est quoi ses faiblesses. Ah oui, c'est la glace. Et après, je crois qu'il peint, il craint un... trois armes. Voilà. Un arc aussi. La hache. Et l'arc, je crois. Ah, voilà, c'est ça. Lance, arc. Lance, hache, arc. Toi, tu donnes deux coups de lance. Est-ce que Oswald pourra donner deux coups de quelque chose? Par deux coups de glace, peut-être. Après, c'est trois, ça suffit. Ça dit, ça suffit. Après, est-ce que je me transforme en Ikari? Je crois pas. Hein. Ta 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 ta. Est-ce que j'utilise directement ça? Ou au contraire, je suis absolu de voleur, je fais. Réduire la défense physique d'un ennemi. Je le fais maintenant. On va le faire maintenant. On va le faire maintenant. Toi, je vais faire déchaînement élémentaire. On va essayer de te briser un maximum. Une seule fois. Très bien. Grande secousse. Ça, ça va piquer. Et piétinement. Oswald qui clams. Ok. Alors, Casti. Ça m'embête. Frôner, elle pourra le taper qu'une fois. Alors que là, je le tape deux fois la hache. Frôner derrière, elle le tape une fois la lance. Et on lui brise son truc. Ce qui est pas mal. Lui, il est déjà baissé. Aptitude épéiste. En vrai, je peux juste faire insoumission. Un tour, je pourrais faire ça. Casti, on va arc curatif, soigner Oswald. Hop. Ta-ta-la. Ah, du coup, on a perdu sa magie, lui, c'est chiant. Objet. Aptitude de mage. Transforme un malus en cette de bonus. On va se mettre un saut d'immortalité sur Oswald. Il clams beaucoup trop vite. Ensuite on a frôné. J'ai déjà baissé ça. Il y a ça, Ikari qui a ça. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire avec Ikari? Avec frôné. Je l'attaque peut-être. Réduit la puissance d'attaque physique. Ah, ça peut être bien aussi. J'ai dû ses faiblesses. Ouais, on va faire ça. C'est vrai qu'il tape assez fort quand même. Ikari. Alors ce que je peux faire avec Ikari, c'est ça. J'en aurai 3 au prochain tour. Est-ce que ça suffit 3? J'en utilise 1, 2, 3. J'en utilise 3, je suis au max. Je fais 2 fois à l'ennemi. Seconde fois à la fin du tour. Là, il devrait prendre cher quand même déjà. Voilà. Ensuite, Casti, je fais une concoction. Donc je rends des PV, je rends des PE. Je peux rendre des PT également, hein, cela dit. Je les mets pour tous et amplifié.
Ça, on est full life, full PT, full PE. C'est super fort. Ikari réattaque. Et on fait la chasse au lion, je crois. Hein. Parce qu'il a tout de révélé, 31 000 plus 39 000. Et ben voilà, parfait. On lui a découpé la gueule à lui. Ah, ça s'est bien mieux passé là. On l'a éclaté là. Ok, parfait. Et un arc rouillé. On va s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouve dans le prochain pour aller voir le maître d'armes, je pense. Ou aller voir si on peut pas en chercher une autre. Ciao ciao tout le monde, et à la prochaine.